Van Rice. Il tire parfois sans prévenir. Ne loupe pas les fumées colorées, c'est des parachutages. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraison. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antisine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antisine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. T'as entendu ce qu'on t'a dit? Prends les pétards. Il s'enrichit en vendant de l'antisine à des gars comme nous. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Thank you.
Ok, Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Grain. Je crois que pour lui, c'est fichu. Merde. Achève-le. Ne le laisse pas souffrir. Ok, c'est fait. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi. Tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Oh merde! Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Thank you.
Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez ? Affirmatif. Ajoute un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord ? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi ? Dégage de la rue. Essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non ? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. C'est réglé, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je devrais pas avoir à te le préciser, mais tu fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin ? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok. Oh!
sacré dispositif, dis donc. 3 fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi.
T'as un Spike, tout le quartier est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Oh, pas encore. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. On n'est plus protégé ici. Et les zones sécurisées, ainsi que certains de mes pièges, sont HS aussi. Il faut remettre le courant plus vite. Poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok? Ramène tes fesses dans une zone sécurisée. Tu devras passer la nuit sur place.
Crane, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens de voir un zombie super bizarre, couvert de grosses pustules vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant, tu veux? Ok, donne-moi une minute.
Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Brecon s'est soldée par un échec. Merde, il va bien ? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Déjà 3 mois. Quand est-ce qu'ils vont nous laisser sortir ? Tous infectés. Pourquoi ils nous font pas sortir ? J'ai terminé mon travail pour Spike. J'espère en avoir fait suffisamment. Si on récupère pas d'antisine, la tour tout entière est foutue. J'ai dû passer la nuit dans la zone sécurisée. Le soleil se couchait et, dans le noir, j'aurais pu me faire avoir.
J'ai terminé mon travail pour Spike. J'espère en avoir fait suffisamment. Si on récupère pas d'antisine, la tour tout entière est foutue. J'ai dû passer la nuit dans la zone sécurisée. Le soleil se couchait et, dans le noir, j'aurais pu me faire avoir. C'est de pire en pire. On va pas s'en sortir. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Du calme. Commence jamais ça. Tout doux. On dirait que la mission de Bricken n'a rien donné. Jade organise une réunion dans la tour. Ce sera enfin l'occasion de voir Bricken et de confirmer son identité. Est-ce qu'ils vont nous laisser sortir ? Crane. Écoute, Bricken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rice ont piégé Bricken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris ? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Aie l'air sûr de toi. Salut, Bricken. Lena ? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Salut, Jade. C'est qui, ton ami ? Kyle Crane. Écoute, Bricken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là-dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane ? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire. Ne prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour. Pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jade, t'as une minute ? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Bricken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi je n'ai plus de Loratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça ? Que veux-tu que je fasse, Lena ? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance.
Il a ses habitudes. Et il peut être... assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps ? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Jay-Z ! Pas la peine de crier !